Les amis, regardons un peu ensemble cette image de Malors le Viber. Avant de continuer, je voudrais rappeler ceci. Il y a beaucoup de personnes dans notre société, dans la vie, qui n'aiment pas voir ce genre de succès, de grâce, qui n'aiment pas voir les gens heureux. Le compte officiel de Malors, le Viber, a été piraté. Jusqu'à maintenant, il ne parvient pas à entrer en possession de sa page. Alors, la fois passée, j'ai eu ce problème-là. C'était juste la page bloquée. Beaucoup de personnes sont moquées de moi. Si tu n'as pas encore traversé cette étape dans la vie, tu ne peux rien comprendre. Donc, actuellement, Malors a un nouveau compte sur lequel il publie. Nous allons ensemble écouter Malors. Écoutez ce que Malors dit après avoir perdu sa page. Écoutons attentivement. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé. Ils ont pris mon nom, ils ont donné au boucher, il a coupé. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans la machine, ils ont écrasé. Ils ont pris mon nom, ils ont mis par terre. Ils ont piétiné, piétiné. Tout ça parce que je les ai vus en train de faire la sorcellerie en plein jour. J'ai parlé, c'est pour ça qu'ils veulent me tuer. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Et voilà, ils ont piraté ma page Facebook. 700 000 abonnés, enfin 640 000 abonnés. On courait déjà à 700 000 abonnés. Les gars ont dit que hey, tu veux faire quoi? Voilà. Ne vous inquiétez pas les gars, je fais juste cette vidéo pour vous dire que je suis là. C'est moi, Malors Compte Pro. C'est mon nouveau compte Facebook, Malors Compte Pro. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, c'est ici que ça va se passer désormais. En attendant qu'on récupère l'autre. J'ai mis les gars sont au travail, ils sont en train de travailler là. En attendant qu'on récupère l'autre, c'est ici que ça va se passer. Abonnez-vous massivement ici. Malors Compte Pro, c'est ici maintenant. Voilà. Il y a les gars qui ont piraté, ils ont créé des fausses pages pour dérouter les gens. Ils ont entendu que Isaac Kamba sorti, ça va devenir violent. Ils ont décidé de me faire taire, de me nuire comme d'habitude. J'ai déjà l'habitude, les gars, j'ai déjà l'habitude. Malors Compte Pro, c'est le nouveau compte. Si ce n'est pas Malors Compte Pro, ne vous abonnez pas là-bas. Voilà, il n'y a qu'un seul et unique compte maintenant, Malors Compte Pro. Voilà, donc la page officielle, c'est Malors Compte Pro. Et la page perso, c'est Malors le Viber perso. Donc ne cherchez pas, il n'y a que deux comptes officiels. Malors Compte Pro et Malors le Viber perso. Mais abonnez-vous massivement ici. Ils veulent me faire taire. Ils veulent faire disparaître Malors le Viber. Ils veulent tuer la sortie de mon album. Les menaces tous les jours. On ne se laisse pas faire. On ne cède pas au chantage. On ne cède pas aux menaces. Ils ont décidé de pirater ma page. Depuis 3 mois ou 4, il y a des tentatives de piratage en permanence sur ma page. Ils ont réussi à travers les pages des admins qui sont sur les administrateurs qui sont là. Donc voilà. Maintenant, il y a un nouveau compte, Malors Compte Pro. On est là. On va continuer. Ça va se faire. Ils veulent me faire taire. Ils ne peuvent pas. Donc, les gars, je fais juste cette vidéo pour vous dire que c'est maintenant ici que ça se passe. Malors Compte Pro, nouveau compte. Juste un instant pub et on se prend après. Ok. Voilà, cher Benguis, désormais, faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur. Ah oui, hein. Il n'y a pas son deux. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descend, pharmacie du soleil. Ok. Très bien.
je crois que vous avez compris le nouveau compte de Malos, le Viber, Malos Compte Pro. D'où je vous invite à vous abonner. Et ceux qui n'étaient pas au courant que la page de Malos a été piratée, vous allez constater que sur sa page principale, et on ne sait pas qui gère cette page maintenant, il publie du n'importe quoi et qui n'a même pas de sens. Donc voilà le nouveau compte de Malos, le Viber. Qu'est-ce que je voudrais dire après ceci? Après avoir écouté ceci, qu'est-ce que je voudrais vous dire, les amis? Ne jamais se moquer de quelqu'un quand il est dans les situations. Vous comprenez? Donc, faisons très attention. Et à chaque fois qu'on travaille, que tu travailles dur, il y aura toujours des personnes qui vont chercher à te faire descendre, te faire tomber. Et ne baissons jamais les bras. Quand on tombe, on se relève, on tape la poussière, on continue le combat. Et Malos est en train de nous montrer là, présentement, un exemple qu'il ne faut pas se laisser faire ou bien se laisser aller. Beaucoup de courage à Malos le Viber. Si quelqu'un n'est pas passé par là, comme j'ai dit depuis le début, il ne peut pas comprendre la douleur. Ça choque, ça fait mal. Mais on ne peut rien. On ne peut rien. Même si tu mets la banane qui va mûrir dans le congélateur, dans le frigo, peu importe le temps, ça va finir par mûrir. Et vous savez, notre boulot, si les gens ne savent pas, quand vous m'appelez chaque jour pour me dire « Franco, pardon, voilà mon sujet, j'ai été agressé, je suis ceci, machin, truc. » Ce que vous devez comprendre, c'est que les amis, nous ne sommes pas en sécurité. Hein. Vous voyez comment on pirate le compte de Malos comme une blague? Oui. Nous subissons des menaces comme ça tous les jours. Ce n'est pas seulement Malos. Oui, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils sont contents quand ils te clashent. Qu'ils te clashent. Et que les commentaires vont en leur faveur. Ils sont contents. Mais quand tu les clashes et qu'ils voient qu'ils sont en position de faiblesse, les menaces commencent. Romain te dit, tu blagues, je sais où tu vis, je peux te faire ceci, je peux te faire cela. Fais très attention. Les gars ne supportent pas le retour. Et c'est ce que moi je pense, c'est ce qui arrive à Malos. C'est-à-dire que comme le gars est dû à cuire, comme le gars c'est le king, c'est Poutine, quand tu l'attaques et qu'il te récupère, tu ne peux pas supporter. Maintenant tu utilises la faiblesse. Ça c'est la lâcheté, pirater la page de quelqu'un c'est la lâcheté. Donc les amis, je voulais juste vous passer cette information. Beaucoup de courage Malos de Viber. Abonnez-vous sur sa page. C'était le général Franco, je vous l'offre. Soutenons-nous, vivants. Hein? Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.